Re-et bienvenue pour la suite de notre aventure sur Dragon Quest Caravan Heart. J'ai repris le bateau puisque la dernière fois on a été sur l'île Augluant. Bon, on a fait ce qu'on devait faire, même s'il reste un sanctuaire avec apparemment un portail ou une porte qui pourrait s'ouvrir à l'avenir. Mais en tout cas, on est sur cette île et on va aller à la rencontre de la grande illusion. Donc on se retrouve directement ici et non devant le château puisqu'en fait il y a de nouvelles choses qui sont apparues et j'ai envie de le montrer. Donc le combat, on va fuir tout bêtement. Il y a une nouvelle tente qui a spawn vers le bas. Et si on affiche la map, eh bien on la voit pas. Mais quand on descend, tiens, en plus il y a une mini médaille. Voilà, il y a une tente rouge. Donc il y a des choses qui sont apparues sur le post-game. Ça va être intéressant d'aller voir tout ceci. Trumpeter, non, je te fuis. Pas envie de combattre. On a fait pas mal des combats. Hein. Ok. Le chemin d'un homme à l'épée est très long. Ok. Bon, je vois pas. Est-ce que tu cherches un ordre de couleur? J'en ai trouvé un. Mais je peux te le vendre. Eh? L'orbe est maintenant tien. Fais-en bon usage, ok? Ah! Offer to open donjon. Ok. Offert pour ouvrir un donjon. Donc peut-être ça la porte. Ok, tu m'as donné un orbe. Bon bah très bien. Va falloir que je les recherche dans diverses zones comme ça. Si on doit refaire toute la map au peigne fin. Oi 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 oi. Mera, Merami, Merazoma, ça c'est les sorts ça. Mera c'est quoi déjà? C'est les sorts de feu, non? Yado, Yadarauko et Mayado. Ok. On peut rentrer à l'intérieur? Non. Bon bah, cool. J'ai récupéré un orbe. Oh, très bien. Alors, voilà. D'en bas, j'ai vu aussi une grotte ici. Ça n'y était pas dans mes souvenirs. On va regarder la map. On va regarder la map. Très, en effet. Oi, oi, oi. Ouais. Ça a dû débloquer pas mal de choses, ce post-game. On va peut-être vite fait aller voir à l'intérieur. Mais là, l'objectif principal, c'est d'aller voir... Le grand Kalash, mais fuyons. On est plus très loin de toute façon du château. Ok. Monster, l'air, flower. One, ok, donc. T'as un donjon. Voilà. Magarugi. Tu es venu de très loin, J. Je suis désolé de t'avoir appelé, invoqué ici. Petit à petit, j'espère que le monde ne soit plus recouvert des ténèbres. Tu es le seul qui puisse venir à bout de ces ténèbres-là. Tu vas être guidé par le pouvoir de l'auto. Peux-tu le faire, J? Oui, on y est. Et rechercher où sont les ennemis cachés? Nous allons avoir besoin de leur puissance, la puissance de Cacalon et des autres. Après le combat, j'ai pas pu réaliser ce qui s'était vraiment passé. Voilà, j'ai les orbes. Ok, bon, de toute façon, j'ai récupéré un orbe, donc ça doit en faire partie. Mais bon, l'acheter. Il y avait random, il l'a trouvé comme ça. And we head east of Pelpoa to an island called Slimeland. Oh bah. Oui. Ah, il vaut mieux la grotte parce que bon, là faut reprendre le bateau et tout, retourner sur l'île. Au moins on a accès à ça et puis on va voir ce qu'on peut y trouver. Mais c'est. Hein? C'est monstre nul, non? Critique. Enfin, critical. Sauf que c'est résistant. Ouais, non, ça doit faire mal quand même. C'est un petit monstre, mais... J'imagine qu'ils sont bien plus puissants. Oh, Big Apple. Tant mieux. Ça va récupérer. La zone est vachement grande. Alors, Monster Lair Flow 2. Il y a ça, et c'est le portail. Ah bah. tu en as après l'orbe, hein, n'est-ce pas? Tu vas devoir me battre. Let's go. Ok, bah apparemment c'est pour un orbe.
Donc le donjon pour l'éloquent, mais moi j'ai déjà affronté, j'ai pas récupéré une dorme là-haut. On va faire lui, je vais laisser se débrouiller, on va voir ce que ça donne. Je pense que vraiment ça peut le faire. Mon speed, bon ça c'est pas la défense non plus. 8 de dégâts et le stone man 147. Ok, bon, ça passe. Je vais laisser frapper encore. Et après, il y avait le portail à prendre en bas à droite. Est-ce que ça nous téléporte dans une autre île? Ou est-ce qu'on retourne au début? En tout cas, on a trouvé directement lui. Hein. C'était deuxième floor, deuxième étage. Je pense que ça va aller assez vite. Hein. Même s'il fait des dégâts. On tape, on tape. Tu le l'autre petit monstre, ce serait bien aussi. Je suis quand même étonné hein, par ce post-game. En fait, ça a l'air d'être assez long. S'il faut récupérer tous les ordres. Je suis étonné, je suis curieux. Et même un peu confus. J'avoue, je m'attendais pas du tout à ce genre de choses. Le Stone Man. Par contre, la foudre, ça perdait de force. Il le couvre, bon, ça c'est pas bien grave. Quand il va faire sur lui, ils sont bêtes. C'est bon? Tu meurs toi? Tu meurs. Le drôle B. Puis on va continuer sur lui. On va l'amocher. Et elle est vaincue. L'orbe d'argent. Parfait, on a deux orbes. On se casse et ça nous mène. Ça nous mène en dehors. D'accord. Bon bah, retour sur l'île au gluant. Faut que je refasse encore le petit tour. En termes de pas, ouais, c'est bon, genre assez. Hein. J'ai une aile de chimère. Au cas où si je veux revenir directement là-haut, je sais bien. Ouais. Green orb, comme ça on va les poser. Ce sera fait. Ouais. Silver Orb, donc il m'en manque deux. Voilà ce que j'ai trouvé. Oh, un joli gluant d'or. Alors par contre, non. Joli coup critique. 12 000 points d'expérience. Donc en fait, j'étais revoir ce qu'il avait dit l'autre. Mais non, il veut vraiment qu'on cherche les orbes et après qu'on revienne... Explodette. Il veut qu'on revienne ici, une fois qu'on aura tous les orbes. Donc là, on en a deux. Et il nous en manque deux. Curse Word, mon maudit. Maudit un groupe. À la place de ça, du coup, puisque je vois qu'on s'en sert pas. Ça me paraît bizarre. Donc finalement, c'est bien ça. Je suis à Londarker, et là, il y a une grotte. Elle n'apparaît pas sur la map non plus. C'est du coup un donjon pour un orbe. La mini médaille, je vais la récupérer après, normalement elle disparaît pas. Ouais, allons au bout. Allons voir le boss. Et ici, on est arrivé. Ouais, on est arrivé. Ok. Tu veux cet orbe? Je vais prendre tout ce que tu as. Ok, ouais, combat. J'ai eu peur qu'il prenne tous les objets sur moi. Mais non, bref, on le tue. On le termine et ce sera vaincu. 46 rations, bah dis donc, généreux. Hein. Purple Orb, donc il nous en manque un. Parfait. Donc en fait c'est tout bête, faut juste trouver ces grottes là. À travers les différentes régions. Donc je vais parcourir encore le monde et puis on se retrouve pour peut-être la dernière grotte et après la porte. Voilà. Bon bah voilà. Encore une fois, on va au bout et puis on combat le boss à l'intérieur. Et on récupère du coup ce dernier orbe. Fantastique. Megabang. Et vaincu. Ah voilà. Yellow Orb. Parfait. Bon, bah on retourne sur l'île au gluant. C'est parti. Alors, ce qui est génial,
outre le fait qu'on a les 4 orbes, c'est que j'ai récupéré un cœur de Metal Slime. Je l'ai combattu, puis je l'ai chopé. Gratos, hein. Bon, je pense pas que ça servira à transformer, puisque... En termes de retransformation, je suis bien. Purple. Et enfin, le Yellow. C'est bon. Utilisez cette combinaison pour créer un donjon. Il y a d'autres combinaisons avec d'autres armes. Oula, 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 attends deux petites secondes. Qu'est-ce que c'est que ça? Colorwing, de toute façon j'en ai acheté plein. On va ramener ça ici, tant pis. Je referai la route si jamais, hein. C'est pas loin, j'ellipse. Et on peut y aller. Orb Dungeon Floor 1. Ok. Ah, c'est vraiment du mystère. Hein. C'est vraiment du mystère ce post-game. En plus, là aujourd'hui, j'ai pas mal de soucis. J'ai des saccades, des ralentissements sur le jeu. Donc, pas folichon. Continuons par là. Étage 15. Et c'est la fin. Ouh. Alors, attends, on va se soigner. Et on va faire ce combat là. Je suis le vent. C'est un truc à la Dragon Quest 7. Fight me by. Bah, on va faire un fight. J'espère que je suis prêt. C'est parti. Hein. Wind Spirit. Ben oui. Les esprits. Bon, c'est pas le même que Dragon Quest 7, mais on combat des esprits. Ouh. Follow orders. Ouais, on va se buff. Les monstres me faisaient extrêmement mal, donc là, le boss, l'esprit, doit pas rigoler non plus. Je vais me faire bust. Par exemple. Bon, ça peut passer encore. On se fait soigner en plus juste à côté. On va dégager sa défense et après on va taper jusqu'à ce qu'on le finisse. Coup critique 436. Excellent bon. Et il est fini. 10 000 points d'expérience, puis 100 gold. Bon, ça va, on a le niveau. Les combats sont pas très compliqués. The Wind Orb. Il y a combien d'orbes dans ce jeu? Trouve les 4 orbes, donc celle de la terre, du vent, de l'eau et du feu. La balance. Protéger la balance des 4. Ok. Et donc mes orbes ont été consumés. Ça veut dire que je vais devoir en récupérer. Refaire un donjon. En récupérer. Et bien encore, bah, du coup ça fera deux fois mais trois fois au total. Pour avoir les quatre orbes. Terre, feu et eau, il me manque. On a eu le vent. Et puis ce sera bon. On ira voir la grande illusion. Peut-être qu'il nous dira quelque chose. Et puis enfin débloquer le dernier château. C'est tout ce que je vois hein, pour le moment. Ok, bon ça a l'air d'être assez bête. Peut-être qu'on fera quelque chose pour juste... j'irai récupérer les orbes. On fera directement les combats de boss. Tac, 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 on enchaîne, on parle à l'illusion. Et puis voilà quoi. Bref, bon. Un petit peu bordelique, hein. Quelques soucis d'émulation, de tournage. Ça déconne, j'ai 19 mini médailles, donc il m'en manque plus qu'une pour aller choper le petit dragon ici. Et donc, ouais, ces donjons-là, si je peux récupérer des monstres, des cœurs de monstres et ressortir, pourquoi pas non plus. Bref, on se quitte ici, donc on sait ce qu'on aura à faire pour la suite. Des bisous, et puis à très vite pour la suite de notre aventure. Salut !